En juillet 2011, la société Thévenard, en déposant son bilan, mettait fin à une histoire plus que centenaire dans la commune de Ville-sous-la-Ferté, la fabrication des maîtres en bois. Cette richesse et cette gloire de leur histoire, les habitants de Ville ont voulu la graver dans la mémoire de tous, perpétuer le souvenir du travail et de l'effort, de la joie et des douleurs, des conquêtes et des sacrifices. Certains ont accepté de témoigner devant la caméra. Merci à la première à avoir osé l'aventure. Ces premières mesures ont donc été prises chez Madame Cerezo le 10 mai 2012. Bon, ben pour commencer, c'est les arbres de nos forêts. On prenait le charme. Je suppose qu'ils devaient en utiliser quand même de nos forêts, parce que quand il y avait des coupes à vendre, au moment de la vente des coupes de bois, ils achetaient les coupes sur pied. Puis ils les faisaient. Ben c'était des bûcherons qui abattaient les arbres, et après ça, ils étaient rentrés à la scierie pour les débiter, les laisser sécher plusieurs années. Mais vous m'aviez parlé du buis du Venezuela. Oui, le buis du Venezuela. Alors c'était quoi ça? C'est du bois qu'on faisait revenir des îles. De d'accord. Ils le faisaient revenir des îles, mais dans quelles conditions, je ne saurais vous dire, parce que évidemment, mais je pense qu'il faisait revenir, il le travaillait sur place. Si vous voulez bien d'ailleurs, je vais peut-être commencer par le travail qui se faisait uniquement à la main. Le bois était débité en branches, il fallait qu'il subisse plusieurs opérations pour en arriver au résultat-là. Et comme tout était fait main, on montait déjà le mètre, les branches bout à bout. Il fallait les mettre à la bonne dimension. Et on fixait les branches comme ça, à la main. Alors c'était des pointes qu'on enfilait dans les trous. On mettait deux rosettes pour fixer les deux branches ensemble. Et avec un coup de marteau, c'était fixé, il fallait sortir. Ensuite, quand le mètre était monté entièrement, parce qu'il fallait faire 5 branches, si c'était du double mètre, il y avait le double, bien sûr. Mais pour le mètre simple, donc quand les 5 branches étaient assemblées, on passait les mètres au papier. Il était brut. D'accord. Le bois était brut. On les passait au papier de verre, pour bien les poncer, si vous voulez. Après ça, il fallait les diviser, les vernir. Ne pas se tromper. On mettait 2 couches de vernis. Alors, c'était des personnes qui travaillaient chez elles, dont j'ai une tante et ma grand-mère maternelle qui en fait ce genre de choses. Avec un coton, elle passait le vernis, donc elle laissait sécher une première couche, elle faisait une deuxième couche. Il y avait 2 couches de vernis qui étaient passées sur le mètre. Alors, quand il était verni, il fallait tracer les centimètres. Et c'était une autre personne qui s'occupait de ça, dont maman. Alors, elle avait une planche à diviser, une planche spéciale. Le mètre était fixé dans sa planche comme ça, bien maintenu. Il y avait un compas et une matrice. Alors, d'un bout, c'était une pointe, de l'autre bout, c'était une autre pointe qui traçait. Alors, elle traçait les millimètres à la main, tout le long du mètre, avec sa matrice. Et votre maman, elle faisait ça alors dans la journée, entre le ménage Oui, l'entretien de la maison, mais elle passait plus de temps à son travail que... J'imagine, oui. Parce que quand on lui donnait 6 douzaines de mètres, on lui disait, tu les rapporteras demain. C'est ça. Et pour telle heure, alors quand il y avait le timbre, s'il fallait que ce soit là pour 9h, il fallait qu'elle se débrouille pour les faire 9h. Elle les a fait, elle en a fait, à la lampe à pétrole qui est là-haut. Alors, après, c'est le travail qui s'est fait dans les années entre 20 et 30. On a continué d'en faire encore un peu, mais beaucoup moins. Après ça, il y a eu des machines, et puis le tout a été fait mécaniquement. Votre usine, elle se situait où? Dans le milieu du village, en bas. Dans la rue des Études. Dans la rue des Études, vous habitez chez Transler. Dans la rue des Études. Les bâtiments sont restés tels qu'ils étaient. Ils en ont fait des logements maintenant. Mais les bâtiments sont restés tels que... Ça ne va pas être facile de vous faire comprendre. Voilà. Mais l'usine a été construite par les Jacob. Et ils ont fermé l'usine, les 2 usines qui étaient dans le bas. Ah ben ça, j'en suis. Alors là, ça va. C'est récent. Moi, j'étais né. J'étais gamin, mais ça, c'est sûr que c'est comme ça. C'est sûr, tout le monde allait travailler là-bas. Tout le monde allait travailler là-bas. Puisque la petite maison. Quand ils ont fermé chez Thévenard, là-haut, qu'ils ont fermé là. C'est pas le Sivom qui a fait construire la CBC? Ah non. Ah.
Alors, je sais pas ce que j'aurais à dire. Oh, bah, j'ai dit de tout. Un petit truc, une petite anecdote, un petit machin, le temps que vous êtes... Enfin, on y va doucement. Alors, elle me dit, oh, bah, pourquoi pas. Alors, j'ai dit, si vous me permettez d'aller frapper à votre porte, et puis, ma foi, vous me direz oui ou non. C'est chez qui, ça?